piège. Il n'y a pas l'air d'avoir de Reaper Queen qui ont pop ici. D'habitude, il y en a, à mon avis, c'est toutes les... Ah, toutes les constructions, poteau. Du coup... Ah, bah ça va, le Mégalosaure est toujours là. Par contre, c'est normal qu'il est sur le toit. Tu l'avais mis sur le toit? Ouais, ouais, c'est moi, c'est moi. Ah, bien joué. Je vais juste vérifier. Du coup, je vais péter celle-là. Il en faut qu'une, ça? Ouais. Bah, fais-en 2-3 quand même, au cas où. Hein. Je veux bien, du coup, les dinoguettes, s'il te plaît bien, merci. Mec, il fallait pas faire les portes. C'est gentil, t'étais tout bimbi, il m'a fait les portes avec. Mais oui, mais oui. Oh, qu'il est attentionné, ce bonhomme. Bon, du coup, tac, 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 ça, ça sera bon. Tu peux prendre le mégalosaure, du coup. Ouais. Ouais, je vais prendre le rogue drake quand même, parce qu'il faut repérer... je vais prendre un rogue drake pour t'accompagner. Et j'espère qu'il y en a une à l'endroit habituel là-bas. Ouais, je pense. Et j'espère surtout qu'elle est level 150, mais là on peut rêver en grosse couleur quoi. Ouais, on peut rêver en gros là. C'était laquelle qu'on a. Attends. Laquelle la niveau porte ouverte. Ah, oui. Je savais que t'allais la fermer. Ça me fait trop. Mec bien. Mec bugué, hein. Par contre, franchement, la porte ouverte dans ce sens là, il pourrait se bugger. Dans l'autre sens. Voilà. Bon, ben go. Hein. Ah, voilà, il y en a une. Quel level? Je sais pas, elle est pas encore. J'ai juste vu la fumée. Ah, pure lobia. Bonjour, ça arrive. Elle est 60, poteau. C'est un bon level. C'est le meilleur qu'on ait jamais vu. Ben go, hein. Nickel. J'ai toujours la go là? Non. Si, mais elle est un peu buggée. Elle est maladroite, hein. Hé hé! Jackie! On est là! Par ici! Allez. Tournez! Allez. Tu vois, tourner ta. Tu prends le volant, tu tournes à gauche. Allez, buggée. Chier. Mec, ici, elle est buggée. On l'a t'a mis ici, en fait notre piège il est servi à rien. Je rêve où elle fuit là. Ah là elle attaque, c'est bon, c'est bon. Il faut pas que ce soit moi qui l'aggro, c'est toi qui dois prendre l'aggro. Ici c'est à droite, poteau. Ah je sais. Ah quand même. Non mais. Deux précautions valent mieux qu'une avec toi, hein. Question d'orientation. Elle a la grosse sur toi. Ouais, ce qu'on avait eu la dernière fois, c'est. Elle, je sais pas pourquoi elle privilégie les regrets. Mec, elle est tombée. Dégoûtée. T'es sérieux? Ouais, elle est tombée tout au fond là-bas. Non, t'es sérieux? Comment? Mais elle est partie sur le coin, elle est tombée. Ok, je te vois. Aïe. Ah, il y en a deux. Oh my god. Attends, regarde l'autre. Le niveau de l'autre. J'ai pas le temps. L'autre. 60, l'autre 20, level l'autre 20. Lève. Bon, mais bah, tu es le level 20, y'a pas le choix. Hein. Et là, ça m'aggro pas, tout ça. C'est le problème. Aïe. Mal à mon rogue drake, meurt. Ben, j'ai un rogue drake qui est pas du tout. C'est un rogue drake qui est même pas du. Qui a pas d'expérience. Hein. Ok. Bon, pas de me faire défoncer. Tu me fais prendre tous les dégâts là, je sais pas où t'étais. T'as le la Reaper Queen, t'es remonté? Ah ouais, je suis remonté là, je suis en train de faire parce que moi je dois filmer tout ça. Mec, il va faire le piège sans moi. Pourquoi elle prend les bâtiments en premier? C'est n'importe quoi ça aussi.
Tu sais quoi? Oula! C'est là, là, là toi? Ils sont là, gros. Mais non, mais. Est-ce que je me dirige vers le piège? Non. Là, il veut pas suivre, hein, le chiant. Là, c'est bien. Putain, vas-y, te bug pas là-bas! Viens ici! T'es sérieux? Non, mais là, c'est du troll, mec. On l'a déjà fait. C'est passé crème, et là. Elle veut pas? Ouais, je sais qu'elle veut pas. Ouais, là, voilà, peut-être. Son aggro. Allez, ah, viens. Allez, viens ah, ah, presque. Allez, devant. Allez, allez, allez! Mais pourquoi non, passe mais pas bug. Je suis pas bug. Elle passe pas, c'est bizarre. Là, en plus, je vais passer, c'est pas possible. Non, mais ah merde, ça m'énerve. T'as pas reconstruit un truc, non pour non, non, fermer... non, non, y'a rien. C'est censé passer là. On l'a déjà fait. Qu'est-ce qui part en couille là? Mec, je me ramasse fier avec mon bouclier. Il faut reprendre son aggro, allez. Allez, viens là. Ah, ah. Non. Mec, vas-y, éloigne-toi, je vais faire au bouclier là. Parce qu'elle a deux aggro différentes, ça va pas le faire. Faut qu'il y en ait qu'un seul et elle a l'air de prendre plus le bouclier que le... Ouais, elle te prend plus toi que moi en tout cas. J'ai l'impression. Elle est dedans, hein, mais elle passe pas. Je comprends pas. On peut pas la bloquer là comme ça, tu crois? Non, ça irait pas. Pourquoi ce bloc là, c'est pas normal? On l'a fait déjà plein de fois. C'est bon. Tu sais quoi? Voilà, normalement elle est bloquée là. Je suis pas sûr. Si, si, là elle est bloquée. Ah, quoi que. On va pas se faire chier longtemps. Par contre, du coup. Faudrait une fondation, non? Mais non, tu poses. C'est vraiment, tu fais une vidéo et ça se passe pas du tout comme ça devrait. Super. Bon, on va faire comme ça. Hein. Ouais, de toute façon. Je t'ai attiré. Non, je regarde sa vie. Ok, elle a 26 000. Faire 46 000. 3 000. 21 000. 18 000. 16 000. 14 000. 13 000. 11 000. 10 000. Attends, attends, attends. 5 000. 3 800. 2100. Il tire pas une grosse flèche, hein. Tu vois, tu sais. Hein. Et lui, des coups de poing. 2100. J'ai pris l'arbalète mythique. 1440. Remis-lui un coup, c'est bon. 700 PV, voilà, c'est ce qu'on lui avait dit là. Faut que je fasse un truc, mon bulldog. Ah, il éteint la lumière. Je vais éteindre la lumière ici. Normalement, ça devrait aller. Par contre, je vois pas. Ah, ça y est, elle a le rayon. Si, ça y est. Allez, c'est toi, mec, traîner, on a oublié de construire la base. Ah, ouais, merde. Ouais, ouais, on va le faire dans la truc en pierre, on la reconstruira. Ouais, voilà. Faut qu'elle arrête de s'énerver, à un moment donné elle va perdre l'aggro. Elle va se bugger et là ça va marcher. Voilà, là c'est bon. Ça y est, presque. Juste essayer de me calculer. Faut peut-être me rapprocher un peu. Peut-être me mettre dans l'autre sens, peut-être. C'est là où c'est un peu hasardeux, tu vois. C'est qu'il n'y a pas de technique pour ça. Non, pas trop, ouais. Après, voilà, c'est. C'est ce qui fait le charme du truc. Ouais, on va dire ça. C'est ouais. Putain, 382 à mon bouclier. Ah putain. Elle a fait son mouvement, mais j'étais pas au bon endroit. Elle aurait pu me mettre enceinte.
Par contre, elle est en train de péter une de nos lanternes. Wow. Elle a pété une de nos lanternes. Ah, je vais plus me placer là parce que j'ai l'impression que c'est là qu'elle. Que sa queue est allée deux fois de suite. Mec, ça marche pas. Hein. Elle essaye, mais je suis pas à la bonne distance. Vas-y, tu peux le faire. C'est la concentration. Vas-y. Elle a combien de vie? Ah, elle a toujours son rayon. Elle a... Elle a fait bouger. Elle a 950 PV. J'essaie de me mettre comme la première fois quand ça a marché. Voilà! Mec! Ce qu'elle me fait! Ah! Je suis super low! Je suis super low! Oh my god! J'ai 9 minutes pour XP, poteau. 9 minutes pour XP. Du coup, on va prendre le Rogue Drake. Je vais prendre des potions de soin aussi, parce que ça fait mal hein, quand même. Hein. Est-ce que ça pète l'armure? Non, ça pète pas l'armure. Non. Ok, je reprends mon petit bulldog. Ok, mon rogue drake. Ah oui, c'est vrai, j'ai enlevé le grappin. Bon, ça a été quand même galère. Hein, ouais. Pas encore assez rodé pour faire des rogue drake. Hein. Des rogue drake, des Reaper King. Hein. Mais je t'avoue qu'elle était buggy, elle était têtue, elle voulait pas venir dans le piège, je sais pas pourquoi elle n'arrivait pas à rentrer plus que ça. Alright. J'ai juste à tuer un Carnot normalement. Ce qui est bien mec, c'est 60, elle avait level 60, plus 75 niveaux, elle sera 135. Ouais, c'est, bah, c'est correct. C'est pas mal. Sérieux, y a pas un seul Carnot? C'est correct, c'est correct. Bah, c'est mieux que ce qu'on a jamais eu, quoi. Bon, normalement, un pire levier devrait suffire. Ah non, plus 14 sous niveau. Plus 63 niveaux. Plus 75 niveaux. Voilà, c'est fait. Ce fut rapide. Ok, donc ça, c'est fait dans 6 minutes 56. Je vais accoucher. Ah, accoucher. Ah, jaloux. Bah, c'est vrai que j'aimerais bien me faire mettre enceinte, mais du coup. Les mecs qui, pour une fois, peuvent tomber enceinte. Bah, ouais. Sauf que moi, dans le jeu, je suis une nana. Ouais, Ah, t'as commencé à construire en pierre, cool. Tu voulais pas détruire ta petite base, c'est ça? Non. Tu nous. Ah, t'as les phéromones? Je suis con, ouais. Ouf. Je te les drop. What? Y a un petit trou, ça, elle va passer. Elle va passer par là. C'est tout petit ce truc. Hein. Faut mettre des plafonds ici. Il faut mettre un. Mais mec, je sais. Il faut encore mettre un pilier ici. Tour et tour dans. La patate à marionnette. Mec, tu vas prendre de l'arc combo. À 3. Ok, c'est bon, j'arrête. C'est bien.
Tu peux pas, mec, sinon le bébé il va mourir. Arrête, fais pas ça. Fais gaffe pour la vidéo, mec. Sinon, on doit tout recommencer, t'as pas le temps. Le gros fail, tu sais. Mec, on a de la viande. Et dans les Rodrigues, oui. Même dans le. Dans le. Dans notre Nilo, là. Il y a ce qu'il faut. Il faut qu'on éteigne les lumières. Les mecs ils sont tout excités alors qu'ils vont se faire percer le ventre. Mais tu sais quoi, le bulldog je le mets dans l'autre base. Je suis pas habitué à jouer à la troisième personne. Ah c'est sympa aussi. Ouais mais j'arrive pas à fermer une porte comme ça. C'est bizarre. Je sais pas. Tu dois pas viser la porte avec le crosshair en tout cas. Moi je suis allez, l'amour à la porte pour la fermer. Qu'est-ce que tu fais? Je vais jeter le bulldog là-bas. Attends! Non, pas dehors, il va mourir. Ah, mais dans la base. Attends, je suis perdu, la base est là. Mais pourquoi ça ferme pas cette porte? D'accord, c'est la tête de mon personnage qui doit servir de ouvrir ou fermer une porte. Ok, d'accord. L'horloge tourne, 1 minute 20. Comment est-ce que je me place? Comment est-ce que je me place? Comme ça. Avec toi derrière, comme ça. Tu veux que je me mette derrière, comme ça? Non, non, toi, mais mec, je suis en train de régler l'image et le mec il bouge quoi. Il est sérieux lui? 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Mec, non! Ah, mais j'ai raté l'image. Oh, c'est pas grave. C'est ok, faut que je l'accepte là. Comment je fais? Je veux revenir à. Oui. 135, c'est bien ça. Ah, c'est bien. L'accepte pas. Ah, c'est énorme, mec, 135. Putain, par contre, ça ouais. Fait deux fois que je suis low. Attends, voilà. Mec, heureusement que j'ai pris les formules au dernier moment, parce que là, j'ai les jambes cassées et il m'aurait touché une fois, je serais mort. T'as les poussons de soie? Bon après on a des lits dans l'autre base tu vois mais... Bah non oui. J'en ai plus, je veux bien que tu m'en drop. J'en ai pas. Ok, ah, bah, on va faire à la viande. J'ai de l'aroprime, ça peut te healer un peu plus vite si tu veux. Il est excité par toi mec, tu l'excites. Ouais je sais, il veut dire que c'est notre enfant. Normalement il est pas censé bouger comme ça tu vois, là il a... Il kiffe ton odeur tu vois. Coucou. Aïe aïe aïe. T'as vu, t'as dit tu coucou, tu te calmes. C'est un enfant bien éduqué. Tu te calmes. Il tient de son père, enfin de sa mère. Il est un peu con parce que du coup, vu qu'il tourne en rond. T'es sérieux que je prends rien comme vie avec la viande? Mec, pourquoi t'as pas des potions de soins sur toi? Parce que moi, je me casse pas les jambes, tu sais, je suis doué sur Arc. Ouais. Mais mec, c'est parce que quoi qu'il arrive quand t'es enceinte, tu. Mais. Ah, il... Oula. What? Non. Il m'a attaqué là. Ah, il a voulu t'attaquer, du coup c'est moi qui ai pris le coup. Mec, fais gaffe, j'ai failli mourir à cause de toi. Vas-y, tape-le avant qu'il le bouffe. Putain, c'est moi qui m'a ramassé le coup. Sérieux. C'est bon, il me tape, j'ai pris la phéromone. Pourquoi elle me tape quand même, je comprends pas. Je sais pas. Arrête! Parce qu'elle est buée. Arrête, je te bute, enculé! Elle a combien de. Attends, il faut que je lui donne à bouffer. Ouais, mais je veux bien, mais. Voilà. Normalement, c'est bon, elle va plus me taper, non? Ah si. Bizarre. Ouais. Faut attendre que ça joue vite, faut pas, pas qu'il me tape. C'est tout. C'est complètement buggé, t'as vu, t'as des phéromones pour pas que ça se passe, et ça se passe quand même. C'est complètement buggé quand même, hein. Ouais, c'est un peu buggé. Sexe hein indéterminé, mais c'est un mal. Ah, il est juvénile, c'est bon, poteau. J'avais oublié à quel point ça... N'importe quoi. Allez, hop, on va lui donner plus de viande, même si c'est un juvénile, de toute façon, on n'a pas de mangeoire ici. Comment on l'appelle? L'autre, on l'appelle plus comment?
Je sais pas si on avait... on lui a même pas donné de nom, je crois, l'autre. Si. Je sais plus. Alien. Oh, viens, on l'appelle Alien. Ah oui. Le mec hyper original. 21 minutes 30, mec, pour le bonus d'élevage. On est quand même bien con. Ah, tu es j'ai sauté au-dessus. Oh, oh, je suis libéré, je suis libéré. Libéré. T'es libéré. Vas-y, c'est dégueulasse. Ah. Je ne m'enfuirai jamais. Libéré. Ah non, je suis bugué. Non. Attends. Non. Mec. Ah, elle était bonne, celle-là. Ah. Raté. Raté. Non, je vais pas voir là. C'est Brain. Libéré. Ah là, par contre, le temps que mon parachute descend, tu m'as bolasse, quoi. Bolasse. Coucou. Coucou. Mec, t'as coucou. Trop de la chance. Coucou. Ah. J'ai fait exploiter à tes pieds, t'inquiète. Putain, sérieux? T'as eu la chance sur ce coup. Coucou. Je vois rien, t'es où? Coucou. Coucou. Aïe. Vas-y, on enlève le bonheur, on arrête. Je crois que le temps ouais. est passé là. Non, mais vous voyez, comprenez, on a 20 minutes à attendre, on a... faut bien s'occuper. Faut s'occuper quoi. Et je tu me l'as pas enlevé. Mec. On part à faire que j'ai les poteaux. Ce qui est 5h30. Ouais, bah écoute, je ferai le reste. Où c'est que je peux. Sois grand. Où c'est que je peux être pour le stuff? Comment ça? Et pour le stuff, j'ai pas le temps d'entrer à la base. Ah, bah écoute, mets-le dans ton Rogue-Drake. Ah, problème, je vais devoir me trimballer ton Rogue-Drake, ça va être chiant par contre. Et c'est ça, parce ça que je vais avoir le Rogue-Drake plus le Reaper King. Quoi. Ça qui est un peu chaud. Je le mets dans ton Rogue-Drake à la limite. 15 secondes. Il va demander quoi? Normalement une caresse. Mais j'avoue que j'ai déjà eu sur un Rogue-Drake autre chose qu'une caresse donc. 50% d'oxydant deux fois, c'était bien ça. What the fuck? T'es mort? Je vais mourir, oui. Ah, tu me dis en combien de temps tu meurs, la radiation? Reste à la base que je te vois mourir. Mais je suis dans la base, là. C'est un peu. T'es un salaud, long. Quoi, je vais devoir me trimballer ces trucs. Ah, désolé, mais là. Ouais, je suis mid-life. T'es où? Dans la base pour toi. Ah, dans la base base, ouais. Pas dans l'enclos, ouais. Enfoiré. Quelle violence, quoi. Putain, le mec, quoi. Hop, c'est parti, on va pouvoir tester cette créature. J'imagine qu'il a pris de l'expérience. Voilà 5 points d'expérience. Qu'est-ce qu'on va pouvoir lui mettre? Je vais remonter un tout petit peu son énergie déjà entre temps aussi. Le poids il est bien, on n'y touche plus. Au niveau des PV, on va le mettre une fois pour qu'il passe à 20 000. Comme ça c'est fait, le cap est passé. Et puis on va tout mettre en dégâts de mêlée. Hein. Il prend pas beaucoup en dégâts de mêlée apparemment. J'aurais dû regarder, mais je crois qu'il prend que genre 2 ou 1%. Vraiment pas grand chose quoi. Bon, allez, c'est pas tout ça. Ce que je sais, c'est qu'on peut sauter comme un crabe. Faut que je fasse gaffe à pas tomber par contre. Non, allez, vas-y, je passe. Voilà, ici je vois déjà des mégalosaures, ça va être parfait. Pour tester un petit peu ses attaques. Alors, on a l'attaque C. Ah oui, c'est pas ça. Le clic droit. Je l'ai pas touché. C'est une blague. Ah, quand même. Le monsieur est ralenti. Et là, je l'éjecte. Pas très très loin. 182, et c'est pas mal. Sachant que c'est pas son clic. 284, et il fait quand même bien mal. Hein. Franchement, parce qu'il est qu'au début, quand il sera à la fin de son expérience, il va faire très mal, quand même. Hein. C'est plutôt pas mal.
Si, pas mal. Pas mal, pas mal. C'est bien mieux d'avoir un 135 que celui qu'on avait qui était level 20. Vas-y, essaye même pas. T'arriveras jamais à m'atteindre, tu seras ralenti avant. Ouais, il est au level lui. Ah non. Je fais pas assez de dégâts encore. Alors, j'ai pris combien? 15. Allez, 15 au corps à corps là. Ah, peut-être qu'il arrivera à 400%, il y a peut-être moyen. Ouah! Ah, ça c'est comme la bolasse, ça marche pas deux fois. Qu'est-ce qu'il y a toi? Yes, t'essayes toi, essaye même pas. Faut bien anticiper quand même l'attaque. Hein. Parce que l'animation des petites piques, l'animation là elle prend 3 ans. Hein. What the fuck? Quand ils sont en train de courir vers toi. Par contre c'est stylé de voir l'acide comme ça tout autour. Ouah, on l'a défoncé. Alors du coup j'ai gagné combien de points? 11 points. Allez allez allez. 360 hein, on s'approche de plus en plus. Il commence à récolter un petit peu de viande. C'est pas mal. Par contre on va pas le rendre trop lourd non plus. Alors, combien de dégâts est-ce qu'on fait là? J'espère qu'on s'approche des 400 quand même. On a deux carnots là-bas, on va tester ça vite fait. 350, c'est pas ouf. Hein. Quand même pas ouf. Hein. Vu que c'est quand même assez compliqué à thème, je trouve que c'est pas ouf. Ils sont pas très généreux hein, au niveau des dégâts, je trouve. Bon, après, c'est pas un 150 de base, c'est pas un 224. Voilà, mais quand même, je trouve... Je sais pas, quand tu vois la créature, tu t'attends à ce qu'elle fasse plus mal que ça. Au final, c'est plutôt une créature assez inoffensive, j'ai l'impression. Après, c'est stylé, parce qu'on peut faire des sacrés sauts, elle a ses attaques acides, des attaques bien particulières, bien à elle, mais... Achetez vos jeux beaucoup moins chers sur Instant Gaming, le lien dans la description de la vidéo.